Donc, bonjour. Pourquoi nous nous retrouvons là actuellement? Parce que j'ai eu beaucoup de chance. En étant en train d'XP, tout simplement, tout bêtement, eh bien, il y a cette bébête qui est apparue et je suis très contente parce que je ne m'attendais pas du tout à la voir. Et du coup, je me suis dit, Osef, on va la capturer avec vous. Et en plus, ça rattrapera le fait que j'ai complètement paumé une de mes vidéos. Voilà. Allez, Aslin, vas-y. Du coup, c'est un type insecte et eau. Et c'est intéressant. Donc j'espère que je vais pas le défoncer. Ce serait bête. Voilà. Oh, écume. Du coup, ça me fera un Pokémon de type eau. Ce que je n'avais pas. S'il te plaît, par contre. Ok, c'est bon, ça passe. Petite Pokéball des familles, hein. Entre nous, on n'est plus à ça près. Allez, James. Ah, si. Si c'est moi, James. C'est un petit peu conflictuel. C'est un petit peu conflictuel comme relation avec moi-même, mais on s'est compris. Bref. Je suis très fière, voilà. Parce que j'ai eu beaucoup de chance. Du bout de ses pattes, Aragtos sécrète une huile lui permettant de marcher sur l'eau, comme s'il glissait. Ce Pokémon se nourrit des organismes microscopiques présents dans les lacs et les étangs. Donc tu manges du plancton. Est-ce que ça s'appelle un plancton? Donc, étant donné que ce truc me fait penser à un Raji, on va l'appeler Raji. Non, pas S. Raji. Ok, je fais Nawak. Bah, tu sais quoi, au pire, hop. Mais ouais, bah, je sais plus c'est quoi les touches pour... Alors, du coup, le bouton, c'est... Bah oui, c'est B, forcément. D, D. Oh mon dieu, je suis profondément choquée par moi-même actuellement. Je fais n'importe quoi. Donc, pourquoi j'ai paumé l'épisode? Bah parce que j'ai complètement oublié de lancer l'enregistrement. Voilà, je suis stupide. Mais ça, c'est pas nouveau. Du coup, il s'appelle Raji. Du coup, Raji rejoint l'aventure. Bon, du coup, par contre, je vais pouvoir y aller. Et en fait, je suis vraiment teubée parce que j'ai complètement oublié que, comment dire, mettre sur S, c'était pas la meilleure idée. Bref, c'est pas grave, mais tout simplement, il manque encore des parties de vidéo, du coup. Bon, c'est pas trop grave parce que je m'en suis rapidement rendu compte, mais du coup, vous allez louper les combats contre les dresseurs. Mais punaise, pas ça. Si bon, si je commence à le faire, ça va être vraiment relou. Ah là là, vivement qu'on s'en débarrasse de ces attaques, par contre. Bon, du coup, j'ai pris moins cher, c'était pas tellement une mauvaise idée. Choc mental, coup de tête. Je coup de tête. Ah, c'était gratuit, ça. Ah, c'était très gratuit, hein. Mon dieu, qu'Azelin est violent. Mais mon petit Azelin, je ne t'imaginais point comme ça. Salut. Cette maison sur la plage, c'est là où habite Monsieur Marco. Autrefois, c'était un grand marin. Il ne craignait pas la mer, même déchaînée. D'accord, si tu veux. Alors, du coup, on peut rentrer dans sa baraque comme ça. C'est génial de rentrer par effraction chez les gens. Y a pas des trucs. Ce vase semble avoir de la valeur. Non, regarde à l'intérieur, on s'aperçoit qu'il est vide. Il me semble qu'il y en a un qui a quelque chose à l'intérieur. Ça n'a aucun sens ce que je dis, mais... Ce vase semble avoir de la valeur. Non, regarde à l'intérieur, on s'aperçoit qu'il est vide. Mais il me semblait pourtant... Non, ça doit être ailleurs. Je sais plus c'est où, mais il y en a un... Où il y a des trucs à l'intérieur, j'en suis certaine. Oh ouais, des baies. Mon dieu. Ouais, des baies pécha. Mais moi, c'est des baies orangs. C'est les baies hein, orangs qui m'intéressent, moi. Pour gêner les points de vie. Ouais. Quoique, pour Arco, ça peut être intéressant de le guérir du poison, donc on va plutôt lui mettre de la baie pécha. Ouais, ça serait intéressant. Du coup, je vais direct le mettre à la petite truc sur le. Ça peut servir. Du coup. Ah ouais, ça en fait quand même. Mais attends. Attends voir. Ah non, c'est vrai, une fois qu'ils utilisent leur baie. Ouais. Bon, écoute, on verra ça plus tard, au pire. Au pire, hein. Tu me vois pas? Allez, viens, je vais te battre. Hé hé. Ah oui, je relève le défi. J'ai beaucoup d'argent. Oh mon dieu, mais c'est moi. J'ai trop d'argent, oui, tu es pauvre. Oh mon dieu, cette pose, c'est Metaton. Mon dieu. Richard! Jean-Marie! Oh mon dieu, c'est génial. J'avais complètement oublié ça, mais c'est génial. Richard Jean-Marie de la Valfontaine. Mon dieu. Mon dieu, c'est génial. J'ai totalement chat. Tu es pauvre et je suis riche. Abaisse ma défense, ça me plaît moins. Qu'est-ce que tu me fous, toi? C'est rien, c'est la souris qui a pété un câble. C'est absolument rien. Allez, choc mental dans ta petite tête. Oh. Eh, tu m'as fait mal. Eh, mais tu vas te calmer, hein. Voilà, ça se passe un peu mieux quand même. Aslin a gagné 90 points d'XP. Ta-ta-ta-tan. Pourquoi n'ai-je pas réussi à gagner? À ton avis. L'argent ne fait pas tout, il faut de la valeur avant tout. Oh, ça rimait ça. Aïe, 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 aïe. Ah, oh punaise, un zigzato. Ah, c'est le démon. Pourquoi je parle en rime depuis le début de la vidéo? C'est inquiétant ça. Ah, j'ai vu quelques massages, j'ai pas compris.
Délin, vas-y! Je te le farcis! Allez, Délin, go! Et... D'accord, si tu veux. Allez, charge, là tu vas moi rigoler. T'attaques avant moi? C'est quoi cette blague? Toi et moi, on va pas bien s'entendre, hein? Je te l'ai dit tout de suite. Mais regardez-moi ça, mon dieu. Mais qu'est-ce qu'ils sont pétés, ces Pokémon? Tiens, moi aussi, je sais le faire. Mimique, ouais! J'aime pas cette attaque et j'aime pas ta tête! C'est totalement gratuit. Tiens! En attendant, je suis assez contente parce que là, du coup, j'ai enfin fait une pause et j'ai publié le premier épisode, donc. Oui, au moment où vous voyez cette vidéo, j'ai déjà publié le premier épisode. Et eh bien, je suis assez contente parce que pour l'instant, les retours sont plutôt positifs. Et du coup... Oh, mais non. Mais non. Goélise. Oh mon dieu, un Goélise. Un Goélise sauvage apparaît. Tout. Alors là, j'en ai rien à faire, je peux mourir, mais je le chope, hein. Vas-y, c'est ça, rugissement, ouais. Vas-y, continue le rugissement, ça me va bien. Moi, je mets un petit choc mental, pas piquer des hannetons. Normalement, je le tue pas, hein. Oh. En vrai, il m'aurait pas balancé son rugissement, je l'aurais peut-être tué. Du coup, on va rentrer sur le Pokémon, on va déposer le Goélise. C'est ce que je propose. Parce qu'étant donné que j'ai un Aragdo, et que l'Aragdo, il évolue en Mascadra, et normalement, le Mascadra, il vole. Enfin, de toute façon, on n'aura pas besoin du Goélise, quoi qu'il en soit. Goélise a l'habitude de transporter ses proies et ses objets de valeur dans son bec avant de les cacher. Ses Pokémon se laissent porter par le vent et volent comme s'ils surfaient dans les cieux. Ouais. J'ai envie de dire pélican. Les gens comprendront ou ne comprendront pas. Ce n'est absolument pas respectueux, mais pélican, j'ai envie de dire. Voilà, sans... Voilà, pélican. Voilà. C'est tout sauf gentil et c'est totalement gratuit, mais on va l'appeler pélican. Du coup, on rentre au saut de Pokémon. Ta 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 ta. Voilà, on est bien là. Hop. Ah. J'en ai marre que mon cravier, bien sûr, mon cravier, c'est bien connu. Bonjour, bienvenue au sein de Pokémon. Vas-y, soigne mes Pokémon, ouais. Ça va me libérer un peu de mon fardeau. Voilà, et je ne parle pas de mes personnalités. Non, mais ça, c'était gratuit, quoi. On n'a rien fait cette fois. En même temps, il s'agit de Zassa. Ah. Elle n'est pas chevalière comme moi. Bon, PC de blablabla. Voilà, je sais même plus comment elle s'appelle, la fille. Non, déposer. Et du coup, je dépose mon Goélise. Déposer. Boîte 1. Boîte 1, oui. Mon Radi. Il s'appelle Radi. C'est beau. Ma vie est belle. Ma vie est nulle. Ma vie est totalement nulle. J'ai appelé un Pokémon à Radi. Mon dieu. Où en suis-je dans ma vie? J'aurais dû l'appeler Radix. Je maintiens ce que je dis. Mais dès que je vois un Pokémon Death Metal, je l'appelle Radix. Voilà, on passe. On se casse. Et on va dans la forêt. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Mon dieu, ce thème. Conseil au dresseur. Tout Pokémon apparaissant au combat, même une fois, reçoit des points expérience. Pour augmenter le niveau d'un Pokémon faible, il faut le placer en tête de liste. Dès le début du CV, échangez-le. Oui, ça, c'est ce que j'utilise. Bah, je l'ai remis. Bref, je suis emboulé, c'est tout. Et mon dieu, ces cheveux blancs. J'en ai des cheveux blancs. Allez. Ah, la musique est glauque quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a quelque... Oh, un dresseur! Ou pas. C'est... Parfois, il y a des choses par terre qu'on ne peut même pas voir. C'est pour ça que je fais toujours attention où je marche. Ouais, pas faux. Ça peut servir. Ouais! Tu es une dresseuse ou pas, toi? Si tu essaies de prendre le Pokémon de quelqu'un d'autre, c'est du vol. Tu ne devrais lancer de Pokéball qu'au Pokémon sauvage. Bah, j'ai pas essayé autre chose. Oh, bah, des Pokéballs en plus. Si c'est pas beau ça, enfin une Pokéball, parce que bon, faut pas déconner quand même, hein, mais on va bien être gentil 5 minutes. Et qu'est-ce qu'il y a ici, des Pokémon que je n'ai pas encore? Peut-être? Oh! Un Blindalis! Normalement, le Blindalis évolue en Papinox, si je me souviens bien. Dans tous les cas, tu vas prendre cher. Et je te capture. Voilà! Et t'es confus en prime. Mais si c'est pas beau ça? Mais si c'est pas beau! C'est pas beau, c'est... Oh, armure, ouais, si tu veux. Prends, ouais. Fais armure! Bien sûr, fais armure! Voilà, non, par contre, moi, je vais faire B. Et je vais te capturer. Parce que tu es une belle bête. Voilà. Tu es... Pardon, j'enlève mon petit curseur. Et il va pas s'enlever, par contre, hein. Pokéball! Ah ouais? Ah, ça, c'est intéressant, par contre! C'est fort intéressant! Bon, écoute, je vais te renvoyer un petit choc mental. Normalement, ça ne te tue pas et je te renvoie une Pokéball, mais j'avoue que là, je suis assez intéressée.
Ta sous-évolution, elle a pas discuté. Bon, bah, je t'ai tué. C'est bête. C'est très, très bête. Du coup, on se casse. Et on va reprendre notre aventure normale. Eh, salut, viens te battre! J'ai attrapé tout un tas de Pokémon! Allez, allez! Mon équipe de Pokémon insectes! Toi, tu vas passer un mauvais quart d'heure, c'est moi qui te le dis. Oh oh! Ok, c'est un paysan! Par scout! Ouais, c'est ça, ouais. Par contre, c'est moi où il a la blinde de Pokémon? Enfin, je sais pas, j'ai pas regardé correctement, mais. Allez, on y va! Choc mental! Et bim! Et de 1! Hop, je veux rapidement pouvoir débloquer d'autres attaques. Ouais, ouais. Ouais. Je vais balancer. Non, Radis, c'est chaud. Ça va être très chaud, mais on va le balancer, ne serait-ce que pour lui faire gagner de l'XP. Je pense que c'est une bonne stratégie. C'est la fille complimente, ces stratégies. Il y a un problème dès le début, quoi. Il y a un gros problème dès le début. Mon dieu, quelqu'un m'a notifié sur Skype, mais qui est-ce? Délin, vas-y! Tu te le fais et tu le bouffes! Délin, go! Gentillienne! Bah d'accord, tu veux faire une attaque nulle et en plus tu la rates. Et c'est bien parce que je vais passer le niveau avec Délin. Tu crois passer au niveau 9? Ça c'était gratuit par contre. Ce qui va arriver est très gratuit pour toi aussi, je préfère te le dire. Ouais ouais c'est ça ouais, vas-y continue je t'en prie. C'est gratuit. La patate que tu vas te prendre elle est gratuite aussi. Et quand tu vas mourir et t'incliner c'est gratuit aussi. Tout est gratuit dans ce monde bien entendu. Et que c'était le gamin que je vais racter après. Mais ça tout le monde l'a oublié bien sûr. Par contre pourquoi mon autre Jitsab, waouh. Pourquoi mon autre Pokémon, ah voilà. J'ai eu peur. Voulez-vous changer de Pokémon? Évidemment. Je renvoie Radis pour qu'il X un petit peu. Bien Délin, reviens. Parce que bon, c'est pas qu'il va pas être très utile, mais quand même, hein. Voilà. Je préfère ne pas y aller avec lui parce que bon, il a qu'Ecume. Et Ecume, c'est pas super utile. C'est pas super utile, hein. Délin, go! Allez, vas-y, Délin. Sécrétion. Mon dieu. Toi, tu vas vite être relou. Vous êtes tous relous dans ce jeu, vous méritez tous la mort, la mort. La peine de mort, séance tenante. Et là, ça tenait bien. C'était bien joué. Bien joué, Délin. Tu mérites des croquettes. Des croquettes pour Délin, même si c'est pas vraiment un chien, mais... Radis, à toi. Allez, Radis, à toi. Punaise, mais j'en peux plus des noms que je donne aux Pokémon, c'est n'importe quoi. J'ai un Pokémon qui s'appelle Radis. Oh mon dieu, mais où est le respect? On le recherche. Il est dans une bouteille de viande dans un mini-bar. Ouais, c'est vrai. Tenek peut confirmer. Il a vu le tweet. Oh, tu vas pas commencer, toi. Hein. Tu vas pas commencer. J'en connais des qui... Je sais plus ce que je voulais dire. Ah, j'en ai battu des plus malins que toi, hein. Tina. Allez, encore un de mort. Radis. Voilà, ça fait plaisir. Ouais, ouais, chenipote. On rechange. Ce combat va être tellement long. Je sais pas si je vais pas le mettre en accéléré. Mais ça marche bien, Radis X, tranquillement. Oh bah, il X bien, même, hein. Franchement. Niveau 3. À quel moment t'as cru qu'une équipe de chenipan, c'était un bon truc, par contre, hein. Bon, ok, t'es une IA, les IA, elles sont teubées, mais quand même. Allez. Zigzaton. Wouhou. Mon dieu. Je m'amuse terriblement. C'est la joie de vivre. Voilà. C'était ironique. Là, je m'ennuie un petit peu, il faut dire, en fait. Même quand je m'ennuie, je dis nawak. Plus je m'ennuie, plus je dis nawak. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais en gros, c'est ça. Voilà, plus il n'y a rien à dire, plus je dis trucs. Parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas la fermer. C'est bien connu. Allez. Radis à l'attaque. Voilà. On y retourne, Radis. Ah, ma vie est nulle. Ma vie est tellement nulle pour que je me batte avec un Radis. Allez, Pokémon. Nananas, à toi. Ouais. Quel combat d'enfer. Le public est en feu. La scène brûle. Voilà, je pars complètement en steak. Et comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais là, c'est assez sévère quand même. Hein. C'est très très sévère. Faut appeler un psychologue. Ça, on a besoin. Enfin, ça fait longtemps, mais elle en a très très besoin quand même, hein. Oh, punaise. Toi aussi, t'en as besoin, là. Toi, tu vas en avoir besoin après ce que je vais te faire. Voilà. Le petit gamin, il va aller se mettre en PLS dans la forêt, il va se faire dévorer par les insectes, ça m'ira parfaitement. Ta-ta-ta-na-na-na. J'avais tous ces Pokémon et je n'ai même pas gagné. Eh ouais, gamin, Street Rules, man. Je pense que je vais vous laisser sur ça, ne serait-ce que temporairement. Donc, sayonara.